Nike, vamos.
Derby maintenant du Kuna. Camille le fils en gabarit. Ça va pas. Amen. Alléluia. Amen. Bonne arrivée.
Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous te glorifions. Nous te remercions pour ce que tu as fait. Amen. Tu es grand, Seigneur. Amen. Ceci élève notre foi. Amen. Ceci ajoute encore la confiance envers toi, le Créateur de ceux et la terre. Oh Dieu, nous savons que, Seigneur, tu as combattu et tu as vaincu. Amen. Tu nous as montré ta puissance. C'est toi, Seigneur, qui a vaincu du soleil levant au soleil couchant. Bien-aimé Père, c'est toi qui nous as montré, si tu n'as pas encore fini avec un homme, pas même l'enfer ne pourra renverser. Tu nous avais dit dans ta parole, nous sommes fondés sur les rocs solides. Et tant que nous sommes fondés sur les rocs solides, même si le vent vient, ça ne peut pas nous ébranler. Amen. Dieu Tout-Puissant, sois loué, sois glorifié. Amen. Pour ce que tu as fait pour nous. Amen. Ramener notre pasteur ici parmi nous. Amen. Nous t'avons promis, Amen. Seigneur, lorsqu'il sera là, nous allons te glorifier. Amen. Nous allons te montrer combien nous t'aimons. C'est comme lorsque l'arche rentrait dans les camps. Amen. Il y avait des gibiers, il y avait des acclamations. Alléluia. Oh Dieu, et nous disons Hosanna, Hosanna. Au nom du Seigneur. Père de gloire, son arrivée. Toi, tu avais dit, partout où foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Tu es le Dieu, Seigneur, qui était avec lui. Amen. Comme tu avais dit, je serai avec toi ton départ et ton arrivée. Amen. Et mon ange marchera devant toi. Amen. Il sera l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Seigneur Père, nous souhaitons le bienvenu à notre pasteur. Voyons que tu es en lui. Alléluia. Sa présence est une bénédiction. Alléluia. Merci Père de gloire. Merci notre Seigneur. Merci toi qui es descendu sur les nuées. Merci toi qui loges dans son cœur. Alléluia. Merci toi qui continues encore l'œuvre avec lui. Alléluia. Nous te disons merci Seigneur. Bénis-nous tous ensemble dans les noms tout puissants du Seigneur et Sauveur Jésus. Nous avons ainsi demandé. Amen. Amen. Encore là. On va commencer les hostilités. Alléluia.
Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Je suis le président des diacres de Rouge-Gorge d'Abenacre. Je me nomme Cèdre Ndiembo. Mes impressions sont tellement très. Je ne pourrais même pas expliquer parce que ça m'a tellement échappé, que ça m'a plutôt tellement impressionné ce matin. Et surtout, ma joie est très grande de recevoir mon pasteur Simon-Pierre de Foucault. Vous avez remarqué que le monde en a parlé, hein, en ce qui concerne sa situation. Mais le grand Dieu qui connaît toute situation, qui a encore restauré le pasteur. Le monde entier, on en a parlé. Comme lui-même le dit toujours, que ceux qui l'aiment sont plus nombreux et ceux qui l'aiment sont très moins. Donc du coup, la venue du pasteur, on appelle ça comme, vous avez vu, lorsqu'il y a eu cette réception ce matin, on a parlé de la restauration, on a parlé de la résurrection du pasteur. Donc je crois que les attentes sont tellement grandes pour ceux-là qui l'aiment. Je crois que ça sera vraiment le mot manquera en fait. Parce que quand c'est comme ça, il n'y a pas d'explication. Mais sinon, la joie est grande dans les enfants de Dieu. Dernier mot, c'est que c'est le dimanche. Là, dit Tom, en arrivant, le dernier mot, c'est que ce n'est que le dimanche qu'il pourra. Donc, j'invite tous les frères et sœurs de se pointer le dimanche à Rouge-Gorge. C'est là où il va commencer, en fait, de nous donner le grand témoignage de ce que Dieu a fait pendant qu'il était dans sa chambre de sommeil. Je suis le frère Papu Samba, diacre à Rouge-Gorge Tabernacle, le pasteur du Foucault du Ciel. Nos bien-aimés frères sont très grandes. Quand nous avons prié à la réception du pasteur, certainement vous avez vu mes larmes couler. Ce sont des larmes de joie. Nous avons vu comment notre pasteur a été, par où il est passé, et on a aussi compris que nous avons un Dieu vivant. Et le Dieu de William Marlon Branham n'est pas un Dieu historique, il est un Dieu réel. Quand notre pasteur, nous l'appelons Montunzambi, ce qui nous a enseigné, ce qui nous a inculqué, nous avons vu cette chose-là être matérialisée. Nos impressions sont, ça nous dépasse, comme l'a dit le président des diacres. Vraiment, on est, ce que Dieu a fait, nous pouvons le louer, l'adorer, le remercier. Et nous sommes très fiers de notre Dieu, de ce qu'il vient de faire. Très bien reçu. Et je pense que les images que vous avez eu à prendre illustreront mieux son état. Il a marché de lui-même. Il est arrivé, on s'est ordonné, il a commencé par saluer le pasteur qui restait à l'église, le pasteur affranchi, ensuite le pasteur Donald qui est un de ses collaborateurs, le pasteur Pascal, un de ses fils dans le ministère, il y a eu le président des diacres, le président, il a salué tout ce monde. Les diacres sont alignés, les administrateurs, les membres de l'église étaient là présents. Lui-même les a salués, il est rentré dans son véhicule, on l'a vu. Jusqu'à ce que nous sommes arrivés à la maison, il marche, il part, on a prié ensemble. En tout cas, ce qu'on pouvait dire avant, utopie, je ne sais pas, mais le pasteur se porte très bien. Le dimanche, tout ce que je peux dire, comme l'avait dit Nathanaël, lorsqu'on lui a dit qu'il y a Jésus là-bas, il y a un Messie qui vient. Par Philippe, il dit, oh, peut-il venir de Nazareth, quelque chose de bien? Il dit, viens et vois toi-même. Et quand il arrive devant Jésus, Jésus lui dit, voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Il est venu lui-même voir. Ce qu'on peut dire aux gens, frères et sœurs, de Rouge-Gorge, eux déjà ils le savent, ils viendront, ils écouteront, ils verront. Ceux qui nous suivent de l'extérieur, qu'ils viennent, ils le verront. Viens et vois. Le dernier mot, c'est un mot de satisfaction, de satisfaction générale. Nous sommes contents de ce que Dieu a fait. Nous remercions l'église Rouge-Gorge qui est restée, prions pour son pasteur, qui est resté toujours assidu à l'église, venant les mercredis, les vendredis, les dimanches, quoique le pasteur n'ait pas été là, mais il nous avait laissé quelqu'un, toujours des gens qui étaient derrière, qui prêchaient l'église, soutenaient tout ce qu'on disait pour le pasteur, ils ont soutenu leur pasteur, nous leur remercions. Et ceux qui sont au loin aussi, qui ont contribué par leur prière, que Dieu les bénisse.